Bonjour tout le monde, et vous le voyez, la pluie tombe sur la pelouse du Parc des Princes. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. La Ligue 1 Uber Eats qu'on retrouve tout de suite avec un nouveau feuilleton qui s'annonce très intéressant. Le Paris Saint-Germain contre Lille. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre. Et moi qui suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses dans ce match. Jean-Lucas qui reçoit le ballon. À l'occasion de faire parler sa frappe. Quelle énorme occasion de marquer le premier but. Mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Et ça joue sur Mohamed Bayo. Et attention, parce que là, il faut écarter le danger. Le Paris Saint-Germain reste sur une victoire lors de sa dernière sortie face à Nantes. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose aujourd'hui? Oui, ça s'était terminé par une très belle prestation et un score de 3 buts à 1 à l'extérieur. Vu leur forme actuelle, on peut espérer les voir gagner à nouveau. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des... Attention, ce n'est pas fini. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. Tout ça n'était qu'officieux, c'est désormais officiel. Manchester United confirme le bouclage de cette opération. C'est la fin du feuilleton. C'est un renfort très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Trop moyen ce centre, dévié dès le départ du ballon quasiment. Et ce ballon ne donne rien, c'est pour le gardien. Bonne intervention, la passe est interceptée. Et ça joue avec Neymar. La passe dans le dos de la défense. Excellent timing à la réception. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Et c'est donc une petite combinaison. Ah, le changement de direction vers l'intérieur. Le ballon en touche. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Petit crochet, il revient à l'intérieur, en plein sur le gardien qui s'en empare. Reynildo reçoit la balle. Et ici l'occasion pour mener. Oh non, et comment c'est possible de rater ça? C'était le but 1-0 en plus. Quelle occasion manquée! Kylian Mbappé. Allez, le PSG qui tente de porter le danger. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu.
Le LOSC qui a la possession du ballon depuis un quart d'heure environ. Il y a de l'ambition dans les mouvements. Le ballon... Attention à cette occasion, regardez. Et c'est dans les bras du gardien. Et Jean-Clair Todibo qui vient récupérer ce ballon. Très bonne progression, balle au pied. Il peut frapper. Et le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand chose de positif ici. Beaucoup trop de suffisance dans cette action. Hakimi qui subit le pressing. Hakimi. Mauvaise passe et donc le ballon change de camp. Reynildo reçoit la balle. Et bien placé pour une frappe peut-être. Oh là là, Donnarumma, incroyable! Vitinha. Le PSG là qui peut se projeter dans le camp adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Allez, le LOSC sur le côté qui a de l'espace. Passe à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout. Allez, sous la pression, bonne couverture de balle. Neymar. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Ah, c'est bien parti. Oui, en position illicite, hors jeu, sifflé par l'arbitre. L'appel était intéressant malgré tout. Neymar. Ballon pour Vitinha. Bernat. Le ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé, la frappe. Oui, c'est contré, bonne défense. De nouveau présent sur ce ballon. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Ah, bonne protection du ballon avec son corps. Et voilà le coup de sifflet, c'est la mi-temps au Parc des Princes. Ah, c'est plutôt rare, mais les stats aujourd'hui de Kylian Mbappé ne sont pas aussi brillantes que d'habitude. Le retour des vestiaires avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Bonne couverture avec son corps pour conserver le ballon. Ouais, ballon perdu par Kylian Mbappé. Maillot. Ouais, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Ouais, il résiste bien à la pression. Et parmi les affiches à suivre bientôt ensemble, notez cette rencontre de Ligue 1, le PSG affrontera le Stade Brestois. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Le ballon change de pied. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Très bon centre, mais personne à la réception pour en faire quelque chose. Neymar, c'est un ballon intercepté.
Il y a Duchamp pour les Lillois sur l'aile. En excellente position. Oui, joli réflexe. Pas mal d'occasions créées, de la détermination, de l'aisance technique. On sent que l'avantage peut être pris à tout moment dans ce match. Il va falloir simplement être un peu plus juste dans la finition. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Alors la Ligue 1 qu'on retrouve bientôt sur nos antennes avec ce match à suivre ensemble. Lille affrontera Angers. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça ? Je suis très hypé par ce match qui arrive. Ah, oh, le ballon intéressant. Et c'est le but ! La domination est logiquement récompensée. C'est la concrétisation de leurs efforts. On le revoit. On sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cerveau. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Kylian Mbappé. Mbappé perd le ballon. C'est une annonce pour Thibaut Leplat. Votre épouse vous attend en porte 13. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Mohamed Bayo. Ah oui, excellent ballon. Donnarumma pour le sauvetage. C'est bien joué. Bernat. La passe pour Juan Bernat. Ça sort, la touche pour Paris. Un peu de coaching avec ce changement. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. L'option de la contre-attaque est possible. C'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Et oui, le tir. Le ballon est contré. Kylian Mbappé, une bonne charge. Le LOSC qui tente de porter le danger. Et c'est une frappe. Le gardien se couche bien sur ce ballon. Et le changement va donc avoir lieu. Pourquoi pas, ça joue court. L'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. La défense s'en sort bien sur l'action. Et ça joue sur Mohamed Bayo. Un ballon un peu trop sur le gardien, assez facilement maîtrisé. On approche de la fin de cette rencontre et c'est simple, vu le peu de temps qui reste, c'est maintenant ou jamais là pour l'équipe à domicile. Il reste encore du temps pour Paris et le temps ouvre l'espoir. Le risque de se découvrir doit s'imposer comme tactique. Toujours oser. Oh, le tir ! Oh, c'est bien défendu. Allez, c'est le moment pour Paris de tenter quelque chose pour revenir. Il va falloir déclencher là. Ah non, c'est contré. Bayo. Le contre est possible. Le champ était grand ouvert, mais finalement ce contre ne donne rien. Ballon perdu. Et un corner qui pourrait bien leur offrir une avance plus confortable. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Oui, à deux, c'est bien fait. Ballon pour Jean-Lucas. Ce ballon dévié sort, corner à suivre.
c'est joué court. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Et la balle de match, là ! Magnifique intervention. Pablo Sarabia. Quel tonnerre d'encouragement sur cette récupération. L'horloge tourne, mais il croit encore à cette égalisation. Très peu de temps encore à jouer. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire. Défaite donc pour le Paris Saint-Germain. Résultat décevant. Ah, le ballon intéressant. Et c'est le but, la domination. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Voilà, un grand merci à vous.